Je commence à ressentir la pression sociale. Je rigole avec ma cousine, maman me parle d'enfant. Elle dit que j'ai bientôt l'âge, que je devrais arrêter mes conneries, trouver l'amour. Je lui dis c'est vrai, c'est tentant, mais c'est plus compliqué que ça. Bientôt 2 ans que je suis seul, besoin de savoir qui j'étais, besoin d'être indépendant. La première partie de ma vingtaine, j'étais en couple, c'était plus simple. Je marchais à deux pour aller plus loin. Au final, j'ai fait couler des larmes, j'ai trompé des femmes dans le mur où j'allais. Et qu'est-ce que je donnais de moi aux filles rencontrées en tournée? Si ce n'est une anecdote qu'elle partagera avec ses potes. Je sais pas si ça salit mon nom, je sais pas si ça me rend cool. Faire la fête, parler de tout, de rien, payer des shots. De quoi devenir ça, je m'en fous. Mais y'a un truc qui allait pas au fond de moi. Pourquoi avoir besoin de plaire? Pourquoi tourner quand on peut aller tout droit? Pourquoi j'avais tout le temps le sentiment d'abandon? Pourquoi j'ai autant envie d'être au centre de l'attention? Et j'ai usé le temps à dire pardon, toujours pardon, parce que dedans je ressens les choses plus intensément. J'étais comme une bombe agricole, prêt à exploser pour un oui, pour un non. Maman comprend que doucement je me reconstruis. Puis trouver l'amour aujourd'hui c'est tendu, parce qu'on est tous un peu perdus. Y'a plus grand monde de passionnés, c'est pour ça que j'écris ce texte une nuit où j'ai pas sommeil. Peut-être que par ma musique je pourrais les impressionner, mais c'est pas pour ces raisons que j'ai envie qu'on m'aime obligé de me méfier, d'être distant. Tu sais, le monde est grisant. Je pourrais coucher avec des filles de dimanche à dimanche, mais je veux plus donner mon corps, mon énergie. Mardi ces soirées où on boit pour devenir extraverti. Alors je suis dans mes objectifs, là je suis en mission. Quoi m'occuper les 4 saisons en studio dans une salle session? Y'a mes potes qui sont pas tous d'accord. Certains m'ont dit que l'amour est mort. Ils pensent encore qu'apaiser. Le cœur t'a bien canassé. Imagine le chemin qui me reste à parcourir avant d'être papa. D'abord fallait être bien avec soi. Maintenant que c'est fait, faut trouver la personne qui bouleversera ma vie. Et puis, quand ce sera fait, faudra que je sois sûr d'elle et vice versa. Le laisser dans l'univers, je peux pas faire ça. Seul avec sa mère, savoir que je suis pas là pour lui, parce que je me suis précipité, que j'ai fait des mauvais choix.